Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous montrer, je vais faire un petit déballage de l'iPod Nano, c'est là, 8 Go. Donc au début, je l'ai un peu préparé à l'avance, donc au début, en fait il est attaché vers le bas, mais là, donc, ainsi, l'iPod Nano. Voilà, là, il est tout beau. Donc j'ai enlevé ça parce que j'ai pas arrivé à la remettre, mais... Là, c'est le câble USB où on doit le connecter sur le PC pour qu'il recharge, ou alors on doit acheter le truc qui charge avec. Donc là, voilà. Voilà, donc à l'intérieur il y a déjà, normalement il y a les écouteurs avec, donc pour écouter la musique ou autre. Voilà, puis il y a les, normalement il y a le chargeur. Puis, il y a les règlements, donc les trucs de base pour allumer tout, voilà. Et il y a aussi le petit autocollant Apple. Voilà. Donc voilà, il est pas mal. Il est bien. Alors on va tester un peu. Donc, alors, déjà, petit truc qui change par rapport au... l'iPod Touch et des trucs comme ça, c'est que regarde, on est là, change de truc, c'est que je vais essayer de le faire tenir pour voilà, c'est que regardez, on peut le faire pivoter, donc c'est pas mal, c'est tout beau. Donc on a un menu assez différent. On peut faire un peu ce qu'on veut. On a les photos là. Comme quand on répare, là, on a les photos. On a les photos. Un peu tout, la musique. Le Mix Genius. Le podcast pour faire des choses. On peut utiliser le fil et tout. Il est pas mal, il est assez design, donc il y a le volume, comme sur tous les iPods, là. Il y a le truc où on insère l'USB pour charger ou pour mettre des musiques sur iTunes. Là, il y a le petit truc pour mettre un casque ou des écouteurs. Donc voilà, je trouve que il est pas mal et tout. La boîte est assez bien faite et tout. Coûte 60€, c'est un bon petit truc à acheter. Voilà, avec le câble avec, tout est avec. Mais voilà, donc... Donc il est portable, donc, par exemple là je vais vous montrer liste de lecture, ajouté récemment, la Kobo. Ce qui est bien c'est que regardez, on voit apparaître l'image de l'ordinateur et il chante et tout, mais c'est pas mal. Franchement j'aime bien le type. Donc là je me pose. Pour sortir d'une page il faut aller sur le côté, donc il faut faire soupe pour partir d'une page. Puis là on peut bouger un peu partout. Donc on peut faire du jogging avec, on peut l'accrocher, il y a le podomètre, et voilà. Donc voilà, on fait kilogramme, voilà, j'ai pas 150, je laisse vraiment bien, je suis à peut-être 42 peut-être, ouais 42 je crois, voilà. Voilà, 43 on va dire, et on termine, et démarrer, et on jogue. Et plus ça bouge, plus ça fait, donc mieux vaut pas tricher, franchement c'est un peu con de tricher. Mais voilà, au revoir YouTube.